Le concept de l'homme-machine poussé à son extrême. Désormais, l'identité de Kraftwerk s'affirme avec la mise en avant de quatre robots. Quatre répliques de l'image à la télévision remplacent celle de leur créateur, fait de chair et de sang. Nous nous sommes adaptés à cette situation. Comment vous situez-vous musicalement ? Nous sommes la deuxième génération de la musique électronique, c'est-à-dire la génération après-guerre en Allemagne, Bundesrepublik. Et nous vivons dans une société industrielle, et comme ça nous travaillons avec des instruments et des machines musicales de la culture technologique. Passionné de modernité, Kraftwerk expérimente les équipements les plus sophistiqués afin de traduire des impressions liées aux découvertes de notre temps. Moyens de transport, radio, vidéo, atomes, et bien sûr les réseaux informatiques, passage obligé de leur création. Vous travaillez uniquement sur ordinateur ? Oui, tout notre studio est depuis 5 ans maintenant, tout est digital et contrôlé par computer. Il n'y a plus de bandes magnétiques et nous avons transformé tous les anciens sons de l'année 60-70. C'est avec un humour de pince sans rire et un optimisme relatif que Ralf Hütter, tête pensante du groupe, chante le progrès, ce qui donne à une présentation rigide un aspect tout de même convivial. Voilà, humour, pince sans rire, convivial et techno-musique dans quelques instants. Alain Gilot.